the key to not get caught into the Hollywood hype thing of going for hits and going for the goal. I think the important thing in life is the process. You get so many men working all their lives, you know, to get to the moment when they're 65 and they can retire, and then they die 3 weeks later out of boredom, you know, and only to realize that the process was the beauty of life, not getting the goal. Qu'est-ce qui définit le mieux un artiste comme Patrick Swayze? Son élégance, sa force, sa beauté, son talent, ou peut-être tout ça à la fois? Il était un homme capable d'allier férocité et douceur, tout autant dans ses gestes que dans son regard. Il était chacun de ses personnages, danseur aguerri, sportif de haut niveau, romantique au grand cœur, toujours à la recherche d'adrénaline. Mais Buddy, comme l'appelaient ses proches, a toujours porté ce regard mélancolique, conséquence d'une vie de famille incomplète, d'un star system qui l'a plongé dans la solitude, et d'un chemin de vie qui lui fit embrasser l'addiction et où il croisa la maladie avant de s'éteindre tragiquement dans la force de l'âge. Ici, je vais tenter de rendre hommage à cet incroyable acteur, en revenant sur sa carrière, sa vie, et en tentant de percer les secrets d'un homme et d'un artiste unique en son genre. Patrick Wayne Swayze est un enfant de Houston, Texas. Il est le fils d'un dessinateur industriel, Jesse Wayne Swayze, et d'une danseuse, Patricia Yvonne Helen. Il est l'aîné de deux frères et deux sœurs. Jusqu'à ses 20 ans, il ne connaît que Houston. Il fréquente différentes écoles et en parallèle, il s'essaye à toutes sortes de sports et d'activités artistiques. Le football, le patin sur glace, la gymnastique, les arts martiaux, le théâtre, la danse, ne sont que quelques activités dans lesquelles il excelle au quotidien. Le jeune Patrick est une boule d'énergie. Il pousse ses capacités physiques à leur extrême limite. Mais c'est comme ça qu'il conçoit la vie. Une blessure au genou mit fin à sa jeune carrière de footballeur. La jambe dans le plâtre, à peine adulte, il entend sa mère dire que sa carrière est finie. Ce fut un déclic. C'est à ce moment-là qu'il décida de concentrer toute son attention sur la danse, qu'il pratiqua jusque-là, mais sans grande conviction ni sérieux. Malgré une blessure grave, son travail de rééducation est phénoménal, et sa manière de danser est sans pareil. Il devient le meilleur à des kilomètres à la ronde, faisant la fierté de sa mère, danseuse et chorégraphe, qui lui a appris les fondamentaux de la danse. Dans ses mémoires, Patrick dira à demi-mot que sa mère était quelqu'un de très dur, parfois violente, verbalement et physiquement. Elle attendait le meilleur de son fils. Elle en attendait peut-être un peu trop. I think as a kid, I always felt that you were harder on me than everybody else. I think you always do, you know. In those teen years, you hate being embarrassed in front of other students or friends. But then still, the part of me that was your teacher knew what you had inside, and I had to, you know, bring that out. Elle était aussi très fière de lui car il n'avait pas honte d'être ce qu'il est, un jeune danseur de Houston, Texas. Ça lui vaudra des moqueries, parfois même des bagarres. Mais rien n'arrêtera Patrick Swayze dans son ascension vers le sommet. When you were young, wanting to be a dancer, did you have to defend yourself a lot from guys who, like, because you were, did they rag you because you wanted to dance? Yeah, and you know, a lot. And I hated it. I even at 13, I learned a big lesson because I figured, well, I'll quit dancing and I'll put dancers down and be one of the cool guys, you know, and try to be part of the group. And they didn't let up on me. And that taught me a big lesson. I realized nobody will ever stop me again in my life for doing what I believe in or trying to make my dreams come true. Au début des années 70, il part vivre à New York afin de terminer ses études de danse. Il se produit dans un spectacle de ballet et performe tous les soirs, en plus de ses études. Il enchaîne ensuite les petits boulots improbables. Il joue par exemple le prince charmant dans les parades de Disneyland et parfois aux côtés d'une princesse qui porte le nom de Michelle Pfeiffer. Le monde est petit. Après ça, il parvient à décrocher un des rôles principaux dans la pièce de théâtre Grise qui se joue à Broadway, son premier rôle en tant qu'acteur. Mais trouver un travail rentable en tant qu'artiste est compliqué, et pour arrondir les fins de mois, il tourne dans différentes publicités. Il faut attendre 1979 pour le voir apparaître pour la première fois sur grand écran dans Skate Down USA, où il joue un danseur sur patins. Malgré un petit rôle, il fait une forte impression. Son charisme est étincelant. Il dégage un magnétisme assez indescriptible. Le film lui permet de trouver des rôles mineurs dans des téléfilms, des séries. Puis en 1983, tout s'accélère quand il décroche un rôle récurrent dans la série The Renegade, mais surtout quand il est choisi pour jouer Darrell Curtis dans le tout nouveau film de Francis Ford Coppola, Outsiders. Il évolue aux côtés d'autres futures grandes stars du cinéma comme Matt Dillon ou encore Tom Cruise.
Durant le tournage, Patrick devient naturellement le chef de la bande, parvient à fédérer un groupe de jeunes hommes qui aurait pu imploser à tout moment. Il impressionne à travers sa physicalité, notamment dans les scènes de bagarre. Après ça, en 1985, on peut le voir tenir le premier rôle dans la mini-série Nord et Sud, qui retrace l'histoire des États-Unis d'Amérique au 19e siècle, puis dans des films comme L'Aube Rouge de John Milius ou Youngblood de Peter Markle, avant bien sûr qu'il ne trouve le rôle de sa vie en 1987. Dirty Dancing raconte comment, dans un camp de vacances pour fortunés, Bébé, fille à papa un peu timide, va se libérer des frontières de sa classe sociale à travers le magnétique Johnny, un danseur qui travaille dans le camp et qui va permettre à la jeune femme de s'affirmer. Everybody dreams that somebody would see into their lonely world, that would see past the exterior and see what they're really like. They may not be the pretty people of the world, but big deal, somebody sees through that and cares about them as a person. And I think that's the biggest thing that this film communicates is a relationship not because of, you know, how somebody swings their rear, but what's inside. Avant Dirty Dancing, on a eu Flashdance, on a eu Footloose. Et le film d'Emile Ardolino n'est clairement pas le meilleur des trois. Le scénario est des plus simplistes, et la réalisation, assez moyenne, ne fait pas honneur aux différentes scènes de danse. Bref, il aurait pu être un de ces films de plus à voir sur M6 le dimanche après-midi. Mais ça, c'était sans compter sur un certain Patrick Swayze. Personnellement, quand j'étais ado, j'avais tendance à enchaîner Prison Break et Desperate Housewives, Call of Duty et Nintendogs, Top Gun et Dirty Dancing. Je ne me suis jamais vraiment arrêté à la frontière des productions réservées à un genre précis. Parce que Dirty Dancing, ça parle à tout le monde. C'est un mélange de force brute et de grâce, de féminité et de testostérone. Et tout ça à travers la prestation de Patrick Swayze. Le rôle est clairement taillé pour lui, et ses incroyables talents de danseur vont enfin être dévoilés à la face du monde, puisque ce petit film de 6 millions de dollars en rapportera plus de 214 millions. A partir de là, Patrick Swayze devient une star internationale, un acteur bankable, un sex symbole. Mais Swayze ne veut être considéré que comme un acteur, pas comme une star d'Hollywood. Il veut pouvoir changer de registre, élargir sa palette de jeux, prendre des risques. Il ne veut pas être l'idole d'une génération d'adolescentes qui vont l'oublier en un été. On lui propose plusieurs millions de dollars pour participer à la suite de Dirty Dancing, mais il refuse cette offre et décide de s'orienter vers des rôles plus musclés. Well, I intentionally downplayed my dance background. Initially, because I did, the first feature film I ever did was called Skate Town USA. It was a wonderful quality piece of celluloid. But I was dancing on skates. I was a leader of a roller skate gang. And so Kevin Thomas and the LA Times and all these other journalists went crazy for me and were saying, watch this guy, he's gonna be this, he's gonna be that. But they wanted to turn me to a teen idol. A four-picture deal and six other films were offered to me, and I turned them all down because I and buried myself in acting classes because I wanted, you know, when all is said and done, to hopefully gain some respect as an actor before I'm out of here. So I realized in that moment the power that dancing might have in my life. You know what I mean? So I stopped. I held it doing any dance films at bay, and I was offered quite a few until Dirty Dancing. That way, I'd have enough time to establish myself as an actor first, then let it be known. You know. La mère de Patrick était danseuse. Le père, lui, était un cow-boy, pur et simple. Il prit le meilleur des deux côtés pour devenir l'homme et l'artiste que l'on a connu. D'une sensibilité étonnante, qui n'efface aucunement sa virilité. Peut-être même qu'il la sublime. Voilà comment il arrive à passer de Dirty Dancing à Roadhouse. If somebody gets in your face and calls you a cocksucker, I want you to be nice. Okay. Dans ce film, il joue un videur de boîte de nuit, réputé pour son efficacité et sa maîtrise des arts martiaux. On va lui confier pour mission de redorer le blason d'un bar miteux d'une petite ville tenue par la mafia. Oui bon, c'est pas un chef-d'œuvre, mais personnellement, je le trouve plutôt cool ce film. Beaucoup de comédiens sur le tournage savent qu'ils ne sont pas en train de tourner le film du siècle. Patrick aussi, sans aucun doute. Mais ça n'empêche pas de se donner à 300%. Comme à chaque fois. Dans ce film, il effectue toutes ses cascades lui-même. Le combat contre Jimmy, interprété par Marshall Ertig, laisse passer quelques vrais coups bien sentis, à la demande de Swayze, qui n'aimait pas que Marshall Ertig le prenne de haut à cause de son passé de danseur. You are such an asshole. Patrick est un casse-cou, mais surtout un perfectionniste. Il veut être omniprésent, même sur ses cascades. C'est lui sur le tronc d'arbre dans Dirty Dancing. C'est lui qui fait des coups de pied retournés dans Roadhouse. C'est lui qui saute en parachute et qui surfe dans Point Break. Il se blesse très souvent durant toutes ses cascades, mais il a cette faculté assez dingue à supporter la douleur. Il est en phase avec son corps, le maîtrise, le comprend. Mais en 1998, c'est la cascade de trop. Dans Lettre à un tueur, il se casse les deux jambes durant une scène à cheval, et malgré le fait qu'il soit un excellent cavalier. Cet accident lui laisse des séquelles importantes, et le force à calmer le jeu en ce qui concerne ses cascades au cinéma.
C'est ce qui faisait toute la singularité de Patrick Swayze, ce jusqu'au boutisme. Cette envie de prendre part à un maximum d'aspects créatifs. C'est comme ça qu'il se retrouve à chanter la bande originale de Dirty Dancing, qui devient un véritable hit à sa sortie. Et c'est comme ça qu'on le retrouve à sauter d'un avion plusieurs fois par jour afin de faire vivre son personnage aussi loin que possible. Adios, amigo! Son corps est constamment en mouvement. Dans Roadhouse, Dirty Dancing ou encore Point Break, il est très électrique, très impactant, dans chaque pas de danse et dans chaque coup qu'il donne. Puis quand on pense connaître son registre, il vient explorer un tout autre aspect de son jeu dans Ghost, où là son corps est totalement mis de côté et où ce sont ses gestes, d'une précision et d'une douceur étonnantes, qui viennent donner vie, sans mauvaise blague, au personnage de Sam. Ghost est un des plus gros succès de l'année 1990, avec plus de 500 millions de dollars de recettes dans le monde. Le film est très apprécié, notamment grâce à l'alchimie entre Swayze, Demi Moore et Whoopi Goldberg. C'est d'ailleurs grâce à Patrick Swayze que Whoopi Goldberg obtient ce rôle et un Oscar dans la foulée. Quelque chose qu'elle n'oublie jamais de rappeler, encore aujourd'hui. Because of Patrick Swayze, I got that movie Ghost. And because of Patrick Swayze, I have an Oscar. And... Après ce succès fou, il décide encore une fois de déjouer les attentes et accepte le rôle de l'antagoniste Body dans Point Break en 1991. Il enchaîne ensuite avec La Cité de la Joie en 1992, où il apparaît totalement vulnérable dans ce rôle de docteur à la recherche de spiritualité. En 1995, il fait le choix le plus osé de sa carrière en acceptant le rôle principal du film Extravagance. Il joue le personnage de Vida, une drag queen qui, en route pour Los Angeles avec ses deux amis, va se retrouver bloquée dans une ville où les mentalités sont d'une autre époque. C'est exactement le genre de rôle que Patrick voulait, un challenge à la hauteur de ses ambitions et de son talent. Il relève le défi avec panache et offre à son personnage une incroyable sensibilité. So Virgil, I gather you like hitting ladies. Some ladies need to get hit. Uh-huh, then conversely, some men need to be hit back. À cette période, il est au sommet de son art. En 1991, il est élu homme le plus sexy au monde par le magazine People. Mais malgré cette popularité auprès de la gente féminine, il est et sera l'homme d'une seule femme. En 1970, il rencontre Lisa Niemi, une élève du cours de danse de sa mère. Le coup de foudre est immédiat. Ils se marient 5 ans plus tard et le resteront jusqu'à sa mort. Ils ont tout connu ensemble. La pauvreté, la richesse, le succès, les tragédies, elle était son pilier, son âme sœur. We both built this career just like we're both trying to build her career. And I consider that she's 50% responsible for everything I've done. And you know, it's like people ask me what the secret of our relationship is and that stuff is simple, man. I love that woman to my core. Leur plus grand regret fut de ne jamais avoir d'enfant. Ils essaieront à de multiples reprises, mais après 2 fausses couches, la peur de perdre à nouveau un enfant les a contraints à renoncer. Patrick projeta ce trop-plein d'amour qu'il ne put donner à un enfant sur ses animaux. Solitaire dans l'âme, c'est auprès de ses chevaux qu'il se sentait le mieux. Dans son ranch, loin des paillettes superficielles d'Hollywood qu'il a toujours voulu fuir. I have these demons that run around in my insides. I've done everything in the world thinking I'm gonna get rid of them and someday I'm gonna have happy. And the shortness of breath will go away and... I don't know if it ever will. Patrick Swayze était un grand mélancolique, fragilisé par des épreuves terribles. Quand il perd son père en 1982, il sombre dans l'alcoolisme. Il n'arrive pas à supporter le fait de le perdre aussi vite. Lui qui a toujours cherché son approbation, son respect, et qui ne parviendra jamais à lui montrer l'étendue de son succès. Patrick, your father died in 1982. This, I have read... was terribly difficult for you. It wasn't just something that you could accept. I love that man. That, you caught me off guard, I'm sorry. My dad and my manager, Bob Lamont, the two most important men in my life, are dead. And I made it after my father died. My passion. That I was going to make that man proud of me till I died. Everything he wanted for me, everything he dreamed about. No, he never got to know.
You made him proud. Oh, Jesus. Ses réussites au cinéma lui donnent la motivation d'arrêter l'alcool. Mais son esprit naturellement brumeux, l'impossibilité de pouvoir être un père et le suicide de sa sœur Vicky en 1994 le font replonger dans un alcoolisme profond. Il commence à boire sur les plateaux de tournage, sur les tapis rouges. À cette époque, il abuse tellement de l'alcool que sa propre femme décide de partir afin de lui faire prendre conscience que son état affecte l'ensemble de son entourage. Patrick prend peur à ce moment-là car il ne veut pas perdre l'amour de sa vie et décide de suivre une cure de désintoxication. Après ça, il décide de se retirer de la vie publique, tourne de moins en moins de films et mène une vie paisible dans son ranch avec sa femme et leurs chevaux. Mais les addictions ont la dent dure. Et si l'alcool n'est plus un problème pour lui, la cigarette, elle, reste une lente et douloureuse faucheuse. L'acteur fume entre 1 et 2 paquets par jour depuis de trop longues années. Et c'est logiquement ce qui va causer sa perte. Nous sommes en décembre 2007. Patrick fête le réveillon avec des amis et commence à ressentir de violentes brûlures d'estomac sans forcément les prendre au sérieux. Quelques semaines plus tard, il fait remarquer à sa femme que ses yeux sont jaunes et lui avoue enfin souffrir du ventre depuis un moment. Ils décident tous les deux de se rendre à l'hôpital et le verdict est sans appel. On lui diagnostique un cancer du pancréas au stade 4. Les médias s'emparent du scoop et ne lui donnent que quelques semaines à vivre. Mais Patrick refuse cette fatalité et décide de se battre. Il accepte d'être le cobaye d'un traitement expérimental en plus de sa chimiothérapie. Le traitement l'épuise, mais semble fonctionner, à tel point qu'il peut reprendre le travail et décide d'accepter le premier rôle dans la série The Beast. Ce sera son dernier rôle. Why did you want to do it? Why didn't you say, I'm going to come here and stay at my ranch and be with Lisa and my animals? I mean, what did you want to put yourself through this for? If I leave this earth, I want to leave this earth for just knowing I've tried to give something back and tried to do something worthwhile with myself, and that keeps me going, that gets me up in the morning. My work is my work, my work is what I do, it's my legacy. Il se donne encore une fois à 100%, effectue la plupart de ses cascades. Le tournage dure plus d'un mois et c'est un vrai calvaire pour l'acteur, qui enchaîne des semaines à 50 heures et les chimios le week-end. Avec tout ça, il puise dans son énergie vitale, et ce manque de repos ne l'aide clairement pas. En plus de ça, il continue à fumer comme avant malgré la maladie. Une attitude plutôt inconsciente, mais que l'acteur justifie par un désir de ne pas se laisser dicter sa vie par le cancer. Oui, il a un cancer, mais il ne veut pas en avoir l'impression. Il veut pouvoir continuer à vivre, à travailler. C'est peut-être ce qui lui permet de déjouer tous les pronostics. Ou c'est peut-être ce qui a accéléré sa disparition. This was a well-fought battle. Patrick fought like the Dickens to survive it, or to get through it. He'd never thought of himself as someone who was dying, because as he said to another good friend of mine, he said, you know, we're all dying. And so his attitude was, until it kills me, I'm gonna keep doing what I'm doing. So this was his attitude, and I have to say, I hope whenever it comes for me, that I same. Quoi qu'il en soit, Patrick Swayze se bat jusqu'au bout. Mais son corps, avec qui il pensait être en parfaite harmonie, finit par le lâcher. En janvier 2009, il est hospitalisé pour une pneumonie. À partir de là, tout s'accélère. Il apparaît dans les médias de plus en plus faible, maigri à vue d'œil, se déplace en fauteuil roulant. Il s'éteint le 14 septembre 2009, dans sa maison, près de sa femme, à l'âge de 57 ans, au même âge que son père. Aujourd'hui, cela fait 15 ans qu'il nous a quittés, et pourtant personne ne l'a oublié. C'est paradoxal car il n'a objectivement pas la plus grande des carrières. Il n'a pas tourné dans des grands classiques et avec très peu de grands réalisateurs. Et pourtant il est considéré comme un des meilleurs de sa génération. Il était né pour être un artiste. Il avait ce petit truc en plus qui le rendait spécial. Sa beauté unique, ses talents de danseur, d'acteur, son capital sympathie. Et c'est grâce à ça aujourd'hui que nous continuons de nous rappeler du fabuleux Patrick Swayze. Dios.